Ouais, les camels, c'est comment? Il paraît que Lady Ponce a encore frappé ce matin. Oh. Bon, je vais essayer d'imiter un peu votre accent, même si souvent ça ressemble à poulet béninois, poulet congolais, mélangé à poulet camerounais. On va se débrouiller avec. Voilà. Ce matin, sur les réseaux sociaux, je me suis réveillé, j'ai vu que des informations ont été divulguées. Paraît-il que Lady Ponce a trompé son mari et son mari est fâché. Il a supprimé la conversation de Lady Ponce avec son amant dans son téléphone. Du coup, il a fait des captures d'écran et qu'il a publié sur Facebook. Ah, monsieur, c'est comment? Est-ce qu'on peut publier les affaires de sa femme comme ça? Un couple, c'est un couple. Dans un couple, il y a des secrets. D'abord, même comment tu t'es arrangé pour que la femme commence déjà à te tromper? Peut-être que tu n'es pas compétent quelque part. Ou bien peut-être que aussi tu ne te comprends pas avec ta femme. Il y a beaucoup d'aspects. Il ne faut pas faire passer la dernière pour la fautive, forcément. Il faut bien nous expliquer ce qui s'est passé parce que là, tu as une lourde charge de responsabilité dans cette histoire. Venir jusqu'à exposer l'artiste sur les réseaux sociaux, c'est trop fort. Hein? Tu as pensé à ses fans? Tu as pensé à sa famille? Tu pouvais régler cette affaire au moins à l'amiable avec ta femme, non? Comment tu t'es arrangé? Bon, laissons. Lady Ponce, toi aussi. Tu es une artiste des mérites reconnue. Je peux dire même mondialement. Nous, on t'aime. On danse sur tes chansons. Mais comment peux-tu coquifier ton mari jusqu'à ce niveau de degré? Tu as déconné, hein? Il y a des choses qu'on ne fait pas. Ou bien on ne t'a pas expliqué. C'est comment? Mouf, je n'aime pas ça. Et puis encore, tu te permets de faire des procédures de divorce dans le dos du monsieur sans même l'avertir. Il t'a aussi tant fait du mal que ça. Tu as déconné, hein? Sincèrement, tu es une artiste. Le fait de t'exposer, même déjà, ce n'est pas bon. Mais ce qu'on a appris, on a lu des messages là, ce n'est même pas du tout bien. Dans ces moments où nous pleurons du coronavirus, tu as tout fait pour lutter le buzz du corona. Hein? Il faut te calmer, il faut te revoir et demander le discernement à Dieu. Maintenant, toi qui coquifies la femme des gens, vous, c'est-à-dire que vous, l'amant, vous êtes là que pour vous promener, pour chercher les femmes mariées. Il y a beaucoup de femmes qui ne sont pas mariées, mais vous n'allez jamais entendre que vous les cherchez. Vous n'allez jamais entendre que ces gens de personnes les cherchent. C'est toujours les femmes des gens. Il y a des gens qui ne tombent que amoureux que des femmes mariées. C'est un démon qui vous hante. Vous avez besoin de délivrance. Nous allons prier pour vous. Hein. N'oublie pas que quand tu vas la marier aussi, demain, là, quelqu'un aussi va la chercher dans ton dos. Hein. Ah, parce que ce que tu as fait à ma clo-clo, un jour, ça va arriver aussi à ma cla-cla. Ah, c'est comme ça dans la vie. Si tu ne veux pas qu'on te fasse quelque chose, il ne faut pas le faire. Nous, on parle les Français développés. Hein? Il ne faut pas le faire à quelqu'un d'autre aussi.